Allez, salut tout le monde, c'est Dark, comment allez-vous? On se retrouve sur Days pour une toute nouvelle vidéo. Alors, cette fois il fait jour, il fait grand jour et nous sommes malheureusement, je crois, en compagnie de joueurs. Étant donné que quand j'ai spawné, il y avait déjà des objets. Donc, il y a des joueurs. Alors, il va falloir qu'on fasse très gaffe. C'est quand même de faire attention, voir. Qu'est-ce que c'est? Une lampe militaire. Bien. Est-ce que je l'ai, la lampe militaire? Oui. Ah, bah attends, je crois que je peux la mettre. Je crois que je peux la mettre. Attends, mais il y a des zombies qui passent. Ça me fait flipper. Alors, là, on a quoi? Ouh, une carte, moi, je dirais. NES point. Même pas. MP5 SD, ok. Et je crois que je peux. Attends. C'est G. Est-ce que je peux mettre... Non. Je croyais que je pouvais en fait équiper ça sur ma... Sur ma M4. Que dalle. Bon. Notre but d'aujourd'hui, c'est trouver une arme bien cheatée. Ça vous va? Parce qu'au moins, on va pouvoir un peu tuer du mob là. Ça va être bon ça. On va s'amuser un peu. Ah, de la bouffe, ça c'est bon. C'est ça qui me fait chier en fait quand je suis rentré dans le... On va mettre... attendez, on va mettre ça, on va poser ça. Où c'est qu'elle est la bouffe? Elle est là, on va prendre ça. Un autre sac, on va mettre. Ah bah il y en avait deux, tiens. Bon bah open bag, hein. Hop. Dans mon sac, d'accord, donc en fait c'est un lag. Dans mon sac, on met ça. En fait c'est un lag, super gros lag. Alors, ouf! Qu'est-ce qu'il y a là? MP9 SD, ouais, non, c'est pas bon. Je look comme ça, rien que pour regarder. Alors, là, pour normalement, on est en recrue, logiquement. Puisque je sais pas si vous voyez, mais il y a les points là. On voit les mobs à travers les murs. Ouais, on les voit à travers les murs donc. On est en recrue et là je ne sais pas ce que je vois de loin mais en tout cas c'est gros. Quoi? H. C'est un hélico? Non. Les amis, je crois que nous sommes en présence d'un hélico. Oui. C'est bien un hélico là, ce que je vois. Bon ben, j'ai envie de dire, courons et dépêchons-nous. Non, j'ai trouvé un hélico quoi. Ouf. Ah oui, quand même. Bon, semi-auto, ouais. Oula non. Oh, cours! Bon, en même temps, ça fait... c'est vrai que j'ai pas énormément tué de mobs quand j'ai joué à Days, donc c'est pour ça que là on se lâche un peu. Malgré tout, on a trouvé un hélicoptère. Donc, je crois qu'on se doit de. Merde, je sais, mais... Vite, je me dépêche. Bling bling. Au change, je les ai tous niqués. Alors lui. Il y a un stanag. Hop, je bande. Je prends des painkillers. Et je prends le stanag. Vite. Je crois que là on a fait assez de boucan quand même. On va bouger parce que. Non mais j'ai quand même pas trouvé un hélico si facilement. Si c'est possible. Oh my god! Oh my god! Oh my fucking god! Holy shit! I found a helicopter!
Motherfucker. Wow. Alors ça. Attendez, c'est louche là, il doit y avoir des mecs à mon avis. Ou alors c'est un piège. Je ne sais pas. Parce que là, logiquement, si j'essaie de décoller, j'explose. Étant donné que il est entre des arbres. Donc. Et ça fait assez longtemps que j'ai pas joué à Days, du coup je sais plus piloter les hélicos. Voilà. Ça c'est dit. Mais on a bien trouvé un hélicoptère qui a été criblé de balles. Qui a été défoncé même. Alors, regardons ça. Ouais, non mais il n'y a plus de carburant par contre. Oulala, ça me fait peur tout ça. J'ai peur de me prendre une balle, genre. Genre, comme ça là, et puis. Poum, je me prends une balle perdue comme ça. Genre, le mec il m'avait vu depuis longtemps en fait. Travailleur porte. Ouh, ça me fait peur. Ah non, non, non. Bon. On va bouger là. Ah, j'ai vu, attends, j'ai vu le matériel là. Ah. Non, il n'y a rien dedans. Bon. Ça me fait peur, ça me fait très très peur tout ça. On va quand même. Attends, c'est peut-être pas marqué sur la map. Non, ça c'est. Oh, bah tiens, on se voit, c'est stylé ça. What? Pourquoi là il y a un hélico là? Et ça c'est une clairière du coup. Moi je dis. Allons-y. Mais ça me paraît. À mon avis, c'est censé avoir cheaté là parce que là. Ça me paraît très louche, quand même. Mais bon. Bon, je suis pas aussi excité que certains pourraient l'être, parce que c'est pas la première fois que je vois des hélicos, donc bon. Mais là, deux, c'est vrai que c'est quand même pas mal, et au hasard en plus. Ah oh, oui, il y en a vraiment un en plus. Oh my god! Oh my. Et en plus, je crois que lui, il est pas cheaté, parce que logiquement, il y en a un qui spawn ici, hein. Ça, je vous le dis. Par contre, ce qui me fait peur, moi, c'est plutôt les joueurs là, parce que logiquement, je suis pas le seul sur l'airfield là. Ça m'étonnerait que je sois le seul sur l'airfield. Je peux vous dire que là, en plus, je vais traverser l'airfield là, sans rien, sans couverture d'alliés ni rien. Donc, ça la fout très très mal. Je vais quand même explorer un peu, enfin, faire un peu de reconnaissance. Comme la dernière fois, hein, je vais essayer de regarder un peu. Voir si les mecs sont pas là. Bon, tout de même, je crois que j'ai du carburant sur moi. Je me souviens, oui, dans mon sac, j'ai du carburant, donc c'est bon. Bon, ben, j'ai envie de dire, hein, on court. J'ai peur là, genre de me prendre une balle, et là, pouf! D'un coup, genre, plus de tête. Bon alors si on prend un si on voit un hélico ou une voiture, on prend quoi, l'hélico ou la voiture? Moi j'opterais pour l'hélico, mais bon. Après je pense que la voiture sera un peu plus discrète. Là je regarde en fait ce point fixe là-bas. Je me demande si c'est une voiture. Parce que logiquement, si ça aurait été un zombie ou un joueur, ça aurait bougé. Un lapin, ça m'étonnerait parce que le lapin ça bouge. Là, bah, y a quoi là? Il y a un zombie qui me suit, je pense que je vais l'abattre. J'ai même pas eu. Voilà, ça c'est bien. Il faudrait que t'arrêtes de t'essouffler là, s'il te plaît, mais excuse-moi. J'aurais besoin de tes capacités à tirer là. Quoi? Non, alors là, il y a un cheater là. Est-ce que tout à l'heure quand je suis arrivé, il y avait ça? Non 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 non, tout à l'heure quand je suis arrivé, il n'y avait pas ça. Hein. Faut vite que je me prenne cet hélico et je me barre en douce. Parce que là, ça va pas le faire du tout. Si c'est des cheaters, oh merde, oh merde. Mauvais choix Guillaume, mauvais choix. C'est quoi?
Et 47, mauvais choix. Continue avec ça. Bon, alors attendez. Décollage, je crois que c'est A. On bat les couilles. Putain, encore criblé de balles. Ça me fait toujours autant flipper. Allez. Cette fois, je crois qu'avec ça, on pourra décoller. Oh putain, merde. Oh putain. Complètement déterre le truc. Moi, je veux qu'on va aller voir le truc qu'il y a là-bas parce que ça m'intrigue vraiment en fait. Ça pourrait être un quad, ça aurait été énorme. Pour qu'on puisse en fait aller à l'airfield suivant en fait. Là, vraiment. Oh, c'est un zombie. Mais là, vraiment, le coup des trois hélicos, ça la fout vraiment mal en fait là parce que. Je vous avoue que j'ai jamais vu ça. Enfin, à part les hélicos cheatés, mais là, à mon avis, ouais, c'est vraiment cheaté. C'est des mecs qui ont dû faire des batailles d'hélicos pour s'amuser. Et là, mais ça m'intrigue en fait, ce point fixe là. Ça a l'air bien d'être un véhicule. Sanglier. Oh non, je me suis fait ken. Oh putain, je crois que j'avais trouvé une voiture quoi. Oh, aïe 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 aïe. C'est une voiture en sanglier ça. Purée. Putain de sanglier. Putain de sanglier. Oula, j'ai reçu un mail. Ok, alors le sanglier ne bouge pas. Bon. Bah écoutez, moi je pense que. Vu ce qu'on a maintenant, la seule solution possible pour s'échapper d'ici, ce serait de tenter de stopper l'hélico qui est juste devant. Bien sûr, l'hélico est comme par hasard devant la tour de contrôle, l'endroit le plus exposé de l'airfield. Donc en gros, si je me chie mon décollage ou que quelqu'un me spot, je suis mort. Qu'est-ce que c'est que ça? À ce que je sache. Non, ça c'est un joueur, mes amis. Ça c'est un joueur. À moins qu'un zombie se déplace comme. Ah, mais non, mais logiquement, si je déplace comme ça, le zombie. C'est que. Il a aggro un joueur. Des vitres. Toujours bon à savoir au cas où. Je pointe. Ouais, on l'attend, on va aller voir. Pour rien. C'est là, là. Oh, dégueulasse. Oh merde, barbelé, barbelé, merde. Oh shit. Oh oui. Ah, je peux remover le backfront. Merde. Est-ce que je peux. Ah oui. Merde. Oh putain! Allez, allez. Oui. Non. Non. Oui. J'ai réussi. Ok. Opération, on rentre dans le bâtiment. C'est parti. Close la porte. Il y a des tentes, bizarre. Bizarre qu'il y ait des tentes ici. Vraiment bizarre. Ça ne présage rien de bon. Rien de bien bon. Alors écoutez, je pense que la fumigène. Alors regardez, merde, non, c'est un acte tout court. Ouais. On va en mettre là. Je vais prendre ma fumigène avec moi. Je vais prendre le bandage. Je prends la fumigène et les stanags, je les prends dans mon sac. C'est bon. Oula, Sunas Boy a été tué plusieurs fois apparemment.
Espérons que ce ne sera pas à mon tour. Parce que sinon. Hop, qu'est-ce qu'on a là? Grenade fumigène dans mon sac. C'est bien d'avoir un sac, au moins on peut prendre. Oh, j'ai déjà une rouge dans mon sac en fait. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, monsieur fait son caprice. C'est quoi ça là-bas? Ah, oh, c'est un lapin! Ah, ça, ce n'est pas un lapin, mes amis. C'est fire, fire! Oh, je l'ai eu! Je l'ai eu! Oh non, il s'est déco! Oh, le fils de pute! Excusez-moi, mais. Oh, le fils! Là, mes gars, j'aurais dû l'avoir dans la tête, ce con. Putain de merde. Quel enculé, il m'a semé. Oh, l'enfoiré. Je l'avais bien, en plus. Camo et tout, ce con, il avait d'avoir une bonne arme, là. Oh, l'enfoiré. Oh, l'enfoiré. Oh, l'enfoiré. Je pense bien que... Fumigène, on prend. On va se la jouer commando, mes amis. Pour traverser l'airfield, c'est très simple. On va se la jouer gros commando. Alors, est-ce qu'on a une fumigène normale? Bien. On va se la jouer commando, mais gros. Alors, là, ils ont foutu du barbelé. Pourquoi me demandez pas? Allez, on est prêt. Vous êtes prêt? Je suis prêt. Bordel de merde! Plan B, plan B, plan B! Plan B, plan B, plan B! Oh la fumigène! Que je suis un bâtard. Putain, il y en a qui m'a suivi. Il y en a deux qui m'ont suivi. Fuck! Motherfucker! Plan B! On les exécute! On les exécute! On les a! Merde! Ça bouge trop! Ça bouge trop! Tir raté! Tir raté! Tu as réussi! Tu as réussi! Tu as raté! Qu'est-ce qu'il a lui? J'ai vu Stanag, non? Non. Bien sûr, moi, connard. C'est bon. On continue. Nanana. Nanana. Bon bah on a failli buter un mec hein, mais ce con s'est déconnecté. Voilà, c'est le genre de mec en fait qui dès qu'ils se font toucher ne stressent mais une seule fois, ils se déconnectent. Pour en fait après se reconnecter sur un autre serveur. Et après donc bah, pouvoir se bandager, enfin se bandager, se bander, se c'est quoi ça? Ah non, c'est oui, c'est un. Je crois que c'était un cadavre de joueur. Non, non, en fait, non, c'est juste une décor. Vous avez vu quand même, je l'ai spoté de loin, hein, ce con. Hein. Il allait venir me tuer. J'aurais dû lui mettre une balle dans la tête. Vous avez vu où je l'ai mis la première balle? Dans le bras, je lui ai foutu. Dans le bras, je lui ai mis cette conne là. Et puis, elle est même pas rentrée. Enfin, elle a touché, mais dès qu'il s'est fait toucher le gars, il y a déco, c'est direct. Alors là, par contre, si on peut se la jouer finou, ça m'arrangerait. Faudrait bien éviter d'avoir affaire. Putain, mais mon gars il fait une crise d'épilepsie là. Qu'est-ce que. Oh my god. Je sais pas si vous avez vu lui, mais il a une flèche. Merde, 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 merde. J'ai vu lui. Il y en a un qui a une flèche en fait dans son bras là. Je crois que c'est lui. Ouais, c'est lui. Je sais pas si tu vas en voyer. Mais il a une flèche dans son bras en fait. Et les flèches, c'est ça vient des arbalètes. C'est logique. Enfin, c'est le seul objet. C'est le seul arme qui. Balancer des arbalètes, merde, je me suis fait spotted. Merde, je me suis fait double spotted. On fait le plan numéro. Oh my god! Plan numéro, je ne sais pas combien. Fumigène.
Fumigène, j'avais dit. C'est pas du jeu. Merde, me dis pas qu'ils sont dans la maison. Ah, c'est bon. Putain. Bon bah moi, mes amis, je crois que c'est bien la fin de notre histoire. Enlever ce banc. Il y a quelqu'un dans cette baraque parce qu'il y a quelqu'un qui a fermé la porte. Oh my god, ce massacre. Mes amis, ce massacre que je viens de mettre. On entre. Wow! Oh, j'abandonne, hein. Mais bien sûr, mais quel con, il lâche tous ses stanags, ce con. Oh, putain. Quel trisomique de la vie, toi. Ouais, je le prends direct, ça. C'est une bonne arme. Oh my god, ce massacre. Je sais pas combien de zombies je suis, mais là... Merde, pourquoi j'ai plus le menu en haut? Mise à jour, peut-être, je ne sais pas. Alors, ouais. Ça, je prends. Putain, on a tout défoncé, quoi. Oh, oh, ce massacre. Ce massacre de fin de vidéo. Ah, fumigène, oui. Pendant que j'en ai plus trop maintenant. J'ai utilisé tous mes plans B à disposition. Je pense qu'on va fermer la porte. Comme par hasard, c'est pas la bonne. Putain de merde. Voilà. Ouvrir la porte. Allez, c'est parti. M107. M107, j'en ai pas besoin. Oh. Le bandage, je prends. Bon, en fait, là, on va juste se contenter de fouiller les corps. Hein. Tant donné que. Bon, là. Bandage, je prends. Ouais. Y'a pas un qui a des stanag quand même, non? Étant donné que je suis un peu en manque de stanag, moi, maintenant. Ah, il y a des painkillers. Je prends. Bon. Matériel. Oui, non. Matériel. Oh, ah oui, c'est une arme. C'est une arme. Absolutely. Mais ça respawn là déjà? Wow. Rapide. Alors, ça c'est moi qui est con et je suis passé devant. Ah oui, oui, je suis con et je suis passé devant. Oui, absolument. Ah non, la morphine, non, la morphine, je l'ai. Attendez. Qu'est-ce que. Ouais, ça, voilà, parfait. Oh, voilà. Putain, ça lag un peu en fait. Le fin, ça... ouais, ça lag, c'est ça. Ça lag un peu. Bon, cette arme est bien. Hein. Pas se plaindre. MP5, je prends pas, j'en ai pas besoin. Ah, mais ça hard spawn. Hein. Ouais, enfin, pas trop en fait. Bon, bah écoutez. Ça fait combien de temps qu'on tourne là? Ah, oui, quand même, 25, 20, 23 minutes à peu près. Bon, et eh bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Bon, alors ça a été. Attends, on va fermer la porte. Hop. Bah écoutez, petit massacre de fin de vidéo. Bon, on a bien massacré quelques zombies quand même. Là, il y a une bonne dizaine de zombies qu'on a tués. Je ne comprends pas parce que d'habitude en haut à droite, là, on a un petit compteur de zombies. Je ne sais pas où il est passé. Ah, un zombie qui vient de gueuler. Et donc, on va s'arrêter là dans une baraque comme la dernière fois. On a failli buter un joueur comme le. Bah, comme l'épisode dernier. Mais bon, voilà. Hein, un petit rageux qui quitte. Alors je vais quand même faire un petit truc, c'est que je vais prendre cette arme dans mon sac. Alors il faut 10 places, donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alors il faudrait, je vais enlever le jerrycan. 1 2 3 4 5 6. Du coup les stanags je vais les prendre avec moi étant donné que bah voilà, hein. Ah oui, merde, putain. Qu'est-ce que j'ai jeté? De toute façon, on va bouffer, donc là je mange ça, je bois, ça je bouffe, c'est un que je prends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ah oh, mon bandage, je pense que j'en ai pas besoin. Je lâche une canette,
Voilà. Parfait. Bon, au moins j'aurai toujours un bon petit truc pour me. Parce que l'avantage avec ce truc, c'était. Enfin, cette arme, c'est que. Faut voir de loin. Et je pense que sans celle-là, j'aurais pas vu les deux premiers mecs qu'on a eu. Bon, écoutez, bah, pensez à laisser un j'aime, un commentaire, comme d'habitude. Faites la routine. Pensez à vous abonner, à dire, enfin, à faire passer la vidéo bouche à oreille, comme d'habitude. Partagez-la sur Facebook, sur Twitter si vous voulez. Vous pouvez même envoyer des messages privés pour vous faire des vidéos avec moi si vous désirez sur Minecraft, comme vous voulez. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!